Et salut tout le monde et bienvenue, c'est Dante DMC. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du guide platine de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Et eh bien nous allons continuer de là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, donc c'est-à-dire dans le ravin noir. Alors déjà avant, parce que là je suis un peu trop lourd, parce que rappelez-vous j'ai changé d'arme en fin de vidéo la dernière fois. Donc je vais juste changer un petit peu ça. Donc là on va... Je vais mettre une petite capuche pour le fun. Et surtout là, je vais virer ça. Et alors, je me demande, il fait combien? Il fait 0,5 celui-là. Ouais, bon, de toute façon, on verra ça après. Voilà, donc là, on est un petit peu mieux. Alors, avant de commencer, petite chose. Je crois pas que j'en ai parlé, mais c'est plutôt intéressant parce que là, on va encore combattre à l'aide de Lucatiel pendant le boss. Je vous rappelle qu'il faut que pendant sur les 4 combats qu'on peut faire avec Lucatiel, il faut qu'il y en ait 3 qu'on gagne et qu'elle survive. Et donc en fait, Chalcoir, le chat ici, vous vend un anneau juste là qui facilite la détection par l'ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, l'ennemi sera plus facilement attiré par vous et s'occupera moins de Lucatiel. Voilà. Donc si vous avez un petit peu de mal par rapport à ça, vous pouvez utiliser l'anneau, ça vous donnera un petit peu plus de chance de faire en sorte que Lucatiel ne meure pas. Alors je vais remettre ma dague, voilà. Et nous allons donc au Ravin Noir. Alors Ravin Noir c'est une zone qui est assez courte, mais où il y a quelques petits secrets quand même relativement importants, mine de rien. Donc on va prendre le temps de faire tout ça, je vais bien nettoyer toute la zone. Et ensuite normalement on devrait avoir le temps d'aller ouvrir tout ce qu'on peut ouvrir grâce à une clé qu'on va récupérer là-dedans. Alors moi ici ce que je vais faire, c'est que vous voyez donc il y a toutes ces statues là qui vous empoisonnent, c'est que je vais toutes les péter partout, comme ça on sera vraiment libre de faire ce qu'on veut. Et puis bah voilà quoi. Donc moi je pète tout hein. Donc faites attention, évitez de vous mettre en face. Donc là on pète. Comme ça nous permettra d'être assez libre après, de faire ce qu'on veut. Hop là. Alors j'aurais dû acheter peut-être une poutre de réparation, mais vu que j'utilise la dague. En fait j'utilise volontairement la dague pour les casser, pour éviter de casser ma hache en fait. Comme ça je garde ma hache pour le boss. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, il leur faut juste un coup. Alors, on peut pas les avoir avec les arbalètes, c'est un petit peu dommage. Alors là, vous arrivez ici, là, ce que je vous conseille, vous voyez, il y a plein de flaques d'huile. Je vous en parlais dans la précédente vidéo. Vous balancez des flèches, des carreaux de feu ou des trucs comme ça, mais du feu surtout. Et donc là, vous voyez, vu que moi j'ai pu infuser mon arme avec du feu, du coup maintenant, je tire des carreaux de feu avec des carreaux standards. Donc vous voyez que ça les fait cramer hein, comme ça. Donc c'est plutôt bien. Donc même ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait été d'utiliser une médaille rouillée. Ce que je vous dis, c'est ces bestioles-là, elles peuvent vous drop des éclats de titanite. Donc sachant que les éclats de titanite, on ne trouve pas partout. C'est plutôt intéressant. Faites gaffe, il y en a qui sont vraiment au sol. Donc sur le coup, on voit pas forcément. Et elles font quand même assez mal, mine de rien. Donc pensez à vous équiper des mousses toxiques hein, pour éviter le poison. Voilà, donc faites pas ce que je viens de faire. Donc là, on ouvre le coffre. Donc là, on va récupérer une arme et un sort, si je dis pas de bêtises. Donc bas de l'air plus grande arme magique. Bas de l'air, je sais plus à quoi ça ressemble ça. C'est ça, voilà. Donc effet perce-bouclier sur l'attaque puissante. Donc pourquoi pas. Donc le feu va finir par s'enlever après. Hein. Donc vous inquiétez pas. Après, hein, si vous n'avez pas peur de vous brûler, vous pouvez rentrer dans le feu. Hein. Alors évitez de tomber là, hein, ce serait quand même dommage. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'il vous chope en fait. Oui, là, il rentre dans le feu. Hein.
C'est relativement mal. Donc hop, ça c'est fait. Non, pas du tout. Alors j'utilise des mouches toxiques, mais vous pouvez faire comme je vous l'ai déjà dit. D'utiliser des gemmes de vie, hein, pour contrer le poison. Ça fonctionne toujours. Hein. Il n'y a pas de souci, ok. Non mais t'es sérieux ou quoi? Saute mon gars, toi. On va faire chier celui-ci, hein. Alors je vérifie que j'ai pas loupé parce qu'il y a un passage. Je vais rentrer là-dedans quand même. Vous voyez, éclat titanite qui m'a donné le truc. Donc là, ici, maintenant que tout est nettoyé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pour le principe, c'est juste pour le principe, hein. Ce qu'on peut faire, c'est regarder par ici. Alors attendez. Je vais aller chercher. Je vais aller allumer ma torche. On allume la torche. Voilà. J'ai failli sauter hein, sans faire exprès. Hein, je vous le dis. Ouais, donc vous regardez par ici. Vous voyez ici, il y a une petite plateforme en bas. Vous laissez tomber. Voilà. Faites attention, on va pas tomber dans le vide. Et là, en fait, on va rencontrer Lucatiel. Pour la troisième fois. Donc, enfin, même pour la quatrième fois, je crois. Mais c'est la troisième fois qu'elle pourra nous aider. Donc, vous épuisez ces dialogues. Voilà. Comme ça, vous pourrez l'invoquer, en fait, pour le boss. Faut vraiment venir ici hein, pour épuiser ces dialogues, pour pouvoir l'invoquer pour le boss après, hein. Sinon vous ne pourrez pas l'invoquer. Et vous en avez besoin hein, pour le platine. Hein. Donc moi je pète tout ça. Voilà. Si vous voulez tout péter, faites-le avec une arme que vous n'utilisez pas, hein, parce que ça l'épuise l'arme assez vite. Alors la dague ça va, parce qu'elle donne que des petits coups, mais si j'avais utilisé ma hache, elle serait déjà quasiment morte, là, hein, je vous le dis. Donc là, je descends. Alors, eux, n'ayez pas peur. Hein. Ils font plus peur que de mal. Hein. Je vous le dis. Alors là, vous voyez que vous pouvez invoquer ici Schmitt le chasseur. Et juste là, vous pouvez invoquer Rel Timid ici. Vous voyez? Donc ça peut vous aider. Hein. Donc je vais consommer une médaille. Parce qu'elles sont les médailles ici. Pour booster ma chance. Ça peut servir. Vestige des vivants, donc ça c'est très bien. Ne vous approchez pas trop des flaques. Et quand vous arrivez par là. Alors vous pouvez rouler à proximité avec vos avec votre torche. Hein. Mais bon, vu que là il y a tous les trucs de poison, c'est un peu plus dangereux. Là, si je pouvais avoir rien qu'une qu'un éclat de titanite là, ce serait tellement beau. Oui, il y a des flaques vraiment partout. Hein. Ah ouais, ok. D'accord, elle veut pas s'enflammer celle-là. Le machin est bugué quoi. Voilà. Donc, du coup, ça c'est pas mal.
Donc là, vous faites envahir. Donc ce que je vous conseille, vu que vous avez tout pété, c'est de revenir un petit peu en arrière. Voilà. Histoire d'avoir de la place pour vous battre. Donc le mec, il arrive quelque part par là, je sais plus où exactement là. Alors c'est un mec qui a un gros bouclier et qui a une grosse arme aussi. Et Victor, enfant des bois. Ok. Ah oui, il essaye de backstab comme ça, quoi. Ok, n'importe quoi. N'importe quoi. Oh, t'es sérieux? Oh non, putain! Je me fais niquer par lui, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Putain. Là, du coup, faut que je recommence tout mon délire, quoi. Ah, je te jure. Ah, je te jure. Alors, ça me fait un peu chier, là. Putain, me faire tuer par lui, c'est chaud, quoi. T'es une mort à la con, hein. Ça arrive. Bon, du coup, avec un peu de chance, je vais choper d'autres éclats de titanite, du coup. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Flèche. Ah ouais, j'aime bien tout casser là. Et un peu l'impact que ça donne cette arme là, c'est quand même fou. Hein. J'adore moi. Vous voyez que c'est une toute petite zone, alors elle peut se tracer, hein. Vous pouvez tracer, essayer de passer entre les trucs. Si vous avez un peu ce qu'il faut pour vous soigner, normalement ça passe. Hein. Mais bon, du coup, je vous montre vraiment tout. Ça a cramé ça déjà? En plus, vous voyez, il y en a un qui est juste là. Putain, j'ai eu aucun objet, quoi. Vous pouvez aussi mettre un truc hein, qui vous permet de vous protéger un peu plus efficacement du poison. On avait chopé un dans le niveau du poison là justement. Un éclat de titanite, c'est très bien. Sérieux là-haut, là? Bon, je vais pas niquer celles qui sont en haut. Hein. On s'en fout. Il pète sa gueule. Alors. Faut une petite pièce. On crame.
Au crâne. Tiens, qui crève juste devant moi, quoi, tu sais. Ça permet de mettre un petit peu de lumière dans tout ça. Hein. Pourquoi pas? J'en reviens toujours pas comme que le mec il a réussi à me niquer quoi. Avec son backstab à la con là. Merde, un grand fragment seulement. Donc on fait attention. On essaie de pas mourir comme tout à l'heure. Ce serait quand même dommage. Allez. C'est ouf quand même. Hein. Vous voyez quand même le fait de d'avoir fait tout ça, ça vous permet quand même de. Ah, il est rapide en fait hein, à se déplacer. Hein. C'est ça qui est chiant. Hein. Voilà, par contre, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est tourner autour du feu. Non. Ça peut aider toujours. Il faut bien savoir que dans Dark Souls, quand on tourne autour d'un objet, les ennemis sont un petit peu en galère pour attaquer. Hein. Donc ça peut vous aider, ça, des fois. Assez stylé, là, hein, d'ici. Hein. Voir tout enflammé comme ça. Hein. Donc là, on a dit qu'on s'en foutait, on leur faisait pas. Ah ouais, je pète tout par principe. Ouais, là, j'ai mis que quelques coups avec. Hein. Elle est quand même assez pétée. Hein. Parce qu'en fait, quand vous tapez dans la caillasse, ça use assez vite, mine de rien, les armes. Donc là c'est le boss ici, donc pour l'instant on n'y va pas. Ils ont déjà cramé ceux-là. Voilà, tout est beau, tout est propre. Alors ici, vous allez avoir un coffre. Un poison bah stun carrément quoi. Et là en fait, vous voyez. Il y a une flaque en dessous. En fait, ça s'est fait en sorte pour que si vous jamais vous utilisez la torche justement pour enflammer les trucs, que ça brûle le coffre et que ça le casse. Et en plus, là, c'est un mimique. Maintenant, il me semble pas que c'était un mimique avant ici. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais juste l'ouvrir. Hop. Hein? C'est bizarre ça. C'est pas mimique. D'accord. Parce que je voyais le verrou en fait. Ouais, c'est très bizarre. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, il est con le truc ou quoi? C'est très bizarre. Alors, il me semble en plus que c'est un truc de merde maintenant. Bénédiction divine, ouais, c'est pas. Bon, c'est un objet qui est sympa, hein, mais c'est pas non plus la folie quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire. La zone est quasiment terminée. Hein. Il y a.
On va dire un gros truc à faire encore. Donc on avance ici. Là, vous avez un mec qui est pétrifié. Ne vous inquiétez pas, hein, normalement, forcément, vous avez au moins une branche ancienne abondante parce qu'on en récupère une dès qu'on arrive dans le niveau, en fait. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Et en plus, on a récupéré une dans le niveau précédent. Donc là, ici, c'est Lucatiel qu'on peut invoquer, donc faudra l'invoquer. Donc, hop, alors pour l'instant, je vais pas me reposer au niveau du feu, hein. J'ai viré tous les ennemis, c'est pas pour rien. Donc je vais allumer la torche. Voilà. Parce qu'il y a encore un passage dérobé en fait. Donc fais attention de ne pas tomber. Voilà. Et vous voyez, le fait d'avoir tout nettoyé, ça fait comme ça, on peut vraiment bien, bien regarder ce qui se passe. Donc vous voyez là, on peut encore descendre ici. Donc faites attention à ne pas tomber. Voilà. Là, ici, on retrouve une nouvelle fois une fameuse porte comme dans le niveau précédent, qu'on ne peut pas ouvrir. Là, vous pouvez descendre ici. Alors là, faites attention, ça fait un peu peur. Parce que quand il tombe, il fait une petite roulade. Voilà. Mais normalement, ça passe. Si vous y allez doucement. Là, on essaie de se laisser tomber sans mourir. Ça fait peur, hein. Et là, en fait, il va y avoir deux grands géants qu'il faudra buter, en fait. Donc là, ce que je vous conseille, c'est que quand vous arrivez là, vous courez. Tout droit. Vous en occupez pas pour l'instant. Alors ok, d'accord, le mec il me touche. De rentrer là-dedans. Voilà. Donc là vous pouvez voir le coffre, hein, y a pas de souci. Et vu qu'ils sont énormes, ils pourront pas rentrer en fait. Donc anneau de géant plus 1, donc ça c'est ce qui permet de garder son équilibre. Et donc là du coup, ici vous pouvez les sniper et faire un petit peu ce que vous voulez. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'arc. Hop, on va s'équiper avec des flèches empoisonnées. On en a quelques-unes. On va tirer quelques flèches. Comme ça, vous allez voir, au bout de 8 flèches, il va perdre masse de vie celui-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a toujours un des deux qui reste vraiment devant l'entrée, quoi. Le mec est énervé. Je sais plus comment j'en ai lancé là des flèches. Il doit en rester une, je pense. Vous voyez? Donc là du coup vous pouvez attendre, il va perdre à peu près la moitié de sa vie, hein. Donc c'est plutôt cool. Là c'est la manière un peu safe, hein, de le faire, vous pouvez y aller au corps à corps mais quand ils sont deux c'est un peu compliqué. Moi je vous conseille de faire au moins un comme ça, au moins d'en faire un, de le sniper, bah, celui qui est devant, hein. Il y en a toujours un qui reste devant. Et après l'autre si vous voulez aller le faire au corps à corps, hein. Ce sera déjà un peu moins compliqué. Et donc le fait de les tuer, ça va nous permettre d'avoir la clé qui permet d'ouvrir ces fameuses portes qu'on vient de voir juste avant là. Et ça nous permettra aussi d'avoir une âme de géant ancien, ce qui plus tard sera utile pour pouvoir faire descendre la résistance d'un certain boss. Parce qu'il y aura un boss qui aura une résistance qui sera quand même assez hors norme. Et plus on aura d'âme de géant, pardon, et plus sa défense sera diminuée. Après, vous faites comme vous le sentez, hein. Vous pouvez très bien l'avoir comme ça avec vos flèches, vos couteaux, vos sorts ou ce que vous voulez. Ou alors vous y allez au corps à corps, hein. Sachant qu'au corps à corps, normalement, ils sont pas très compliqués. Le seul truc, c'est qu'on n'y voit que dalle. Je vais. C'est juste ça qui peut poser problème en fait. On n'y voit que dalle et du coup, c'est un peu galère aussi à loquer l'ennemi. Vous voyez qu'au corps à corps, ils perdent quand même beaucoup plus de vie. Bon, ils sont pas très compliqués. Hein. Heureusement que j'ai fait une roulade, mec. Hein. Voilà, donc on a la clé oubliée et âme de géant. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Et donc...
Pour remonter, vous avez un passage juste ici. Donc là, ici, vous pouvez récupérer un anneau d'argent, si je dis pas de bêtises. Donc faites attention quand même de ne pas tomber. Ok. Vous voyez que c'est assez short quand même. J'ai toujours peur moi aussi de tomber. Surtout que bon, le truc... talisman argenté, je sais pas si je vous l'ai déjà montré ça. Le talisman argenté, il est juste là. Donc permet de se fondre dans l'environnement. Donc si j'avais déjà dû vous montrer. Hein. Voilà, donc là vous rentrez dans la grille. Et là voilà, tout le niveau est fait là. Donc on n'a plus qu'à aller faire le boss. Et pour aller faire le boss, surtout aller chercher Lucatiel. Donc il n'y a rien à ramasser ici. Hein. Vous pouvez descendre directement. Donc retourner là-bas. Alors déjà ce qu'on peut faire, avant de faire ça, on peut... Vous pouvez retourner là, si vous le voulez. Voilà. Ouvrir la porte. Du coup, vu qu'on a la clé maintenant, donc je l'ouvre pour vous montrer quand même. Et donc, c'est encore ce vieux. Parce qu'en fait, il a quatre endroits différents. Il faut trouver les quatre endroits, lui parler. Et ensuite, ça permettra de lancer une quête. Donc voilà, on a appuyé ces dialogues. Donc là, du coup, vous pouvez reprendre le chemin comme tout à l'heure. Hein. Faites attention. Hein. N'ayez pas un excès de confiance. Là, franchement, là, si je crève, là, je suis au bout de ma vie, là. Voilà. Bon, après, si je crève, admettons, je recommence pas tout le truc, hein, je vais au boss direct, hein, faut pas déconner, quoi. Les bords à la con, ça va bien 5 minutes, quoi. Je vais virer ça, moi. Ok. Donc, on retourne ici. On invoque Lucatiel. Et on va aller se faire le boss tranquillement. Bien la mise. Voilà. Bon, je vais manger une petite fleur verte, hein, ça mange pas de pain. Alors faites attention ici parce qu'elle se prend quand même pas mal de dégâts, Lucatiel, hein, sur ce boss là. C'est un boss qui est relativement simple. D'ailleurs, plus tard on le fera, on va l'enchaîner plusieurs fois de suite, mais bon, c'est beaucoup plus tard. Ce sera pour éviter de recommencer tout le jeu en fait. Mais c'est un boss qui est relativement simple. Alors je vais pas vous montrer tous les patterns, tout ça, parce que je pense que je vais profiter qu'il me tourne le dos. Pour bien le fracasser. Hein. Mais c'est un boss assez simple. Bon, vous inquiétez pas, on y reviendra un peu plus tard de toute façon. C'est vraiment un amas de cadavres, hein. C'est un truc tout dégueulasse. Hein. Mais genre vraiment quoi. Attends, on est stylé là comme ça. Hein. Avoir une belle tenue pour les cinématiques, c'est quand même bien. Hein. Ah oui, on peut lui couper les bras. Notamment le bras gauche. Oh putain, sérieux quoi. Je l'ai pas vu venir celui-là. Vous voyez, il lui fait quand même énormément de dégâts. Hein. Donc faut essayer de le tuer assez vite. Ou alors de l'aggro vraiment. Hein. Je vais essayer de faire en sorte qu'il reste concentré sur moi quand même. Parce que c'est ouf la vie qu'elle perd contre lui. Hein. J'avais oublié que. Je savais qu'elle perdait pas mal de vie contre lui, mais j'ai oublié que c'était autant quoi.
Voilà, quand tu fais ça, surtout vous barrez. Voilà. Il va réussir à le niquer ce con. Ah, il l'a niqué quoi. Bon, c'est pas grave. Alors s'il nique le Lucatiel là, ce que vous pouvez faire, c'est de faire exprès de perdre en fait et de recommencer le boss. Parce que je vous dis, il faut qu'elle survive au moins 3 fois sur les 4 fois que vous pouvez l'invoquer. Bon là j'ai dit c'est pas grave parce qu'on va pouvoir l'invoquer plus tard sur un autre boss. Dans la zone qu'on fera juste après. Sur l'autre boss, il me semble qu'elle est quand même beaucoup plus résistante, donc ça devrait mieux se passer. Là ici pour les pyromanciens, il y a une graine de feu. Et hop là. Voilà. Bon là si je voulais faire le truc bien, j'aurais dû recommencer le boss. Hein. Mais elle perd énormément de vie contre lui, donc je ferai ça sur l'autre. Donc là ici vous avez un coffre. Parce que je vous dis, il faut que sur les 4, il faut qu'elle survive 3 fois. Et bon, sur l'autre boss qu'on fera après, le boss est un peu plus compliqué, mais elle résiste beaucoup mieux. Alors ça, ce que vous voyez au bout là-bas, c'est un accès à un DLC. Donc les DLC, on les fera plus tard, une fois qu'on aura terminé le jeu, en fait. Parce que pour cette version scolaire, en fait, on est obligé de faire les DLC. Un petit trophée, feu du ravin. Parce que, en fait, si vous voulez, y a des sorts à récupérer qui sont dans les DLC. Et c'est inclus, en fait, dans cette version-là. Alors, ce que je vais faire, je vais voyager. On va aller ici. Je vais faire en sorte que mon perso soit pas trop lourd en remettant mes anneaux classiques. Ok. Donc lui, on va lui acheter ce bouclier là. Il est un peu moins puissant que l'autre, mais vous voyez, en fait ça dépend sur quel truc quoi. Moi pour moi ça va quoi, c'est largement suffisant. Donc ça, on va encore faire d'autres trucs hein. Ne partez pas, je vais vous montrer deux petits trucs du coup, parce que vu qu'on a eu accès à la clé pour les portes, je vais vous montrer, il y a deux autres portes qu'on peut ouvrir. Donc il y en a une qui permettra d'avoir une tenue complète et une autre qui permettra d'avoir pas mal de petites choses. Donc niveau supérieur. Alors je vais lui rajouter un point pour l'instant. Je vais voir ce que ça donne. Ça, ça. Ça c'est vraiment bien ça. Ça évite de se faire déséquilibrer. Ça. Tac. Bon, je vais remettre quand même un point histoire d'avoir de la marge. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Donc du coup, on peut même remettre la capuche normalement. On est content. Voir si je remets l'autre bouclier là. Ah ouais, je remettais un point ou deux et je pouvais garder l'autre bouclier. Donc du coup on va améliorer notre arme. Donc là on a ramassé je crois deux éclats, donc c'est ce qu'il me fallait. Renforcer. Donc, je vous montre. Alors, bah attendez, avant, là je suis pas mal. Je vais mettre quelques niveaux. On va utiliser les âmes hein, quand même. Voilà. Je vais pas regarder du coup ce que j'avais là.
vrai que je pense qu'il n'y a pas grand chose. Donc vous allez pouvoir récupérer quelque chose juste ici. Rappelez-vous, j'en avais parlé hein, quand on était passé par là, qu'il y avait une porte. Alors je sais plus. Ça doit être celui-ci, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, là j'ai un doute. Hein. Bon, de toute façon, on verra quand on y sera. Hein. Ok, donc c'est pas du tout celui-là, c'est l'autre. C'est l'autre échelle. J'ai le chat qui attend devant la porte comme un con, je sais pas ce qu'il fait. Donc celle-ci, du coup. Enfin, c'est con quand même, Lucatiel, elle est morte en même temps que le boss est mort, quoi. Ça fout un peu les nerfs de voir ça. Hein. Donc là, on fait gaffe quand on descend. Voilà. Et donc là, en fait, vous prenez cette échelle-là. Alors ici, en plus, ça permet d'avoir un catalyseur qui est juste excellent pour ceux qui font du miracle. Il me semble même que c'est le plus puissant du jeu. Et donc, du coup, vous voyez, vous avez trois coffres. Plus, ici, sur le cadavre, vous allez avoir une clé pour un des DLC. Donc, Vortex Dame. Branche d'arbre de sorcier et clochette d'arbre de sorcier, donc un catalyseur pour la magie et un pour les miracles. Donc ça c'est très bien. En plus ils sont vraiment très très puissants ceux-là. Et lance de foudre majeure, donc ça c'est un miracle qui est extrêmement bien. Donc là, vous récupérez Serre de Dragon, donc qui est une clé pour accéder à un des DLC. Parce qu'en fait dans cette version-là, alors là on pourra pas remonter je crois. Je sais plus si on peut remonter à l'échelle là. Bon, on va dire qu'on s'en fout, on va prendre un os du retour. Parce que là en fait, ouais, dans cette version là, pour pouvoir accéder au DLC, il faut aller les trouver les clés en fait. Alors que quand vous les achetiez, les DLC avant, elles étaient directement dans votre inventaire. Là il faut aller les chercher, il faut aller les trouver. Donc là vous en avez une des trois déjà. Donc là déjà vous avez récupéré du super bon matos. Et ensuite, on va retourner au dépotoir. Voilà, juste ici. Et on va aller ouvrir, rappelez-vous, la porte qui était bloquée, je vous avais montré. C'était la première porte comme ça que je vous montrais d'ailleurs. Bon, ça va aller au début du niveau, hein. Donc ça devrait bien se passer. Ça, je crois que c'était un mec, quoi. Donc là, on se laisse tomber ici. Il y a un mec qui dort, on fait attention. On va là-bas. Voilà. Et donc on monte à cette échelle. Plein de merde pour nous faire chier hein. Parce que sinon sinon c'est pas très marrant quoi. Attends, je rêve où il y a un truc qui m'a tiré genre à travers la porte quoi. Ouais ça le truc qui m'a tiré à travers la porte, non mais t'es sérieux quoi. Donc là vous ouvrez la porte, ah ouais bah là on l'a bien vu là. T'as vraiment un truc de pute ici. Hein. Donc éviter de mourir là, ça serait quand même con. Quel bande d'enfoirés quoi. Je trouve ça abusé d'avoir mis autant de... Autant de trucs comme ça ici. Et donc là ici, dans le pot,
Vous avez la tenue complète de Havel. Donc on peut prendre un os du retour du coup, hein. On retourne à Majula, hein, tranquillement. Et donc la tenue de Havel, je vous montre ça. Elle est juste ici. Donc vous voyez qu'elle a une défense quand même qui est assez hors norme, mais par contre elle pèse extrêmement lourd. Vous voyez que là, l'armure principale elle a 19,5. Donc ça pèse quand même très lourd. Par contre c'est ultra résistant. Enfin, soit tout ça que je voulais mettre. Merci, au revoir. Ici. Il est où le casque là? Ah, il est là. Tac. Et on a aussi son bouclier, il me semble, normalement, si je dis pas de bêtises. Il est juste là. Voilà. Je la trouve quand même. Dans cette version, dans Dark Souls 2, je la trouve quand même assez stylée. Voilà, par contre, je suis tellement lourd que le mec, il n'arrive pas à marcher, quoi. Là, je suis à fond, hein. Là, vous voyez, j'essaie de faire une roulade. Il arrive même pas. Ah, punaise. Donc, nous on remet notre petit équipement. Hop. Voilà. Et c'est très bien. Il faut combien là pour mettre un niveau en plus là? 11 143. Est-ce que j'aurai assez avec ça? Je crois pas. Hein. Ah si! Comme ça, on se met un petit niveau. Niveau supplémentaire. Bon, vous voyez, on remonte à 30 là, assez rapidement, ça. Je regarde si j'ai pas un truc à brûler. Bon bah écoutez, voilà, donc la prochaine fois ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à la forteresse de fer, ici. Donc à niveau il y a plein de feux un peu partout. Cette fois-ci on essaiera de faire survivre Lucatiel, il faut, parce que là si on n'y arrive pas c'est... Bon, de toute façon si elle crève, je crève aussi, hein. Voilà quoi. et puis voilà, ça devrait bien se passer, donc c'est une zone qui sera en deux parties. Donc il y a un boss optionnel, qu'on peut complètement zapper. Mais là on le fera parce qu'il y en a besoin pour Lucatiel. Et le boss principal, alors je sais pas si on fera toute la zone d'un coup, ou si la vidéo sera en deux parties, on verra suivant le temps que ça prend. Ah bref, voilà, donc sur ce, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé, hein, surtout. Et je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine pour la suite du guide de Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Allez, salut tout le monde.